30 seconds until minions spawn. Bon, spellbook TP, il va pas jouer. Encore quand il y a certains TF qui veulent jouer un peu la lane avec Electro Ignite. Là, il joue juste pour rien faire. Il va TP sur la map et faire des kills. On verra ce qui start. Il va certainement faire Corrupting. Du coup, Pointless de trade. Il fera un back et, à mon avis, sur son premier back, il fera genre un Dark Seal, Lucidité, ou Lucidité tout court, un truc du style. Et on verra ce qu'il fait comme mythique, sera certainement Protobelt. Je vais essayer de start W pour pas qu'il ait l'envie d'aller contester l'invade. Je vais rater un ou deux CS comme d'hab. Quand je start W, il est en train de décale. Non? Ok. Je pense que si j'avais pas start W, il aurait pu y aller. Là, il est en train de revenir vers moi. S'il décale, c'est free. De toute façon, elle a le bleu, je crois. C'est fine, on a géré la wave correctement pour que il y aille pas. Je pense que j'ai bien fait de start W, heureusement que j'ai pas mis de points dans mon Q direct. Bon, c'est faible, hein, 16 sur 19, mais. Fine. Si Morgana vient mid, je peux investir une cleanse. Je crains pas grand chose. C'est plus pour la botlane que j'ai peur. La wave est freeze. That's unexpected. Ouais, bouf. Bouf, bouf. Jusque la botlane run down pas et la game est win topside. Ils ont plus de game, c'est terminé. Si botlane fait pas 0-15, c'est gagné. En 15 minutes. Le TF en face, c'est un putain de bot. En vrai, ce qui me rend le plus fou dans les games Astello, c'est que les mecs qu'on face au mid, c'est vraiment des. Des spécimens. Mais bon. Y a bien une raison. Hein. Si on est master, c'est pas non plus que parce qu'on se fait run down. Hein. Ça marche pas comme ça, League of Legends. Mais bon, c'est quand même des sacrées merdes. C'est sûr que ça change un peu quand il y a un mois de ça quand on était à 400 LP plus et que le tchal était à 550, on pouvait proc Nemesis et Larsen et là je joue contre DFG Dimiaïou je sais pas quoi là, qui est pas capable de dodge un Q-spell de la game. Bon.
Ça marche. Ah, un nice décal, Midag. Morte. My bad. J'aurai pas l'assist. Encore faut-il qu'il meure. En tous les cas, je l'aurais pas eu. Bon swap. Il a 2 pink, il y a l'histoire. Bon, je pense. Pas besoin de cleanse. T'es encore là? Bad. Il est mort, non? Il doit avoir un flash. Pourquoi il flash pas sur la plante là? Ok, nice. En vrai, ça me fait plus chier de jouer contre Lee Sin que contre TF1, forcément. Surtout que, comme ils ont dit, de base, lui, c'est son smurf. Hein. Papy Oscar. Bah, il était aux EU Master, pour ceux qui suivaient un peu la compète. C'était Oscar Inin. Top lane espagnol. DVG Dimiaou. TF McDonald qui envoie des cartes Ronald à la place de cartes normales. Close d'envoyer des Big Mac là en vrai. Je dirais même des Big Mag. C'est open? Je voulais revendre le. Bon après ça change pas grand chose, j'aurais pas acheté beaucoup plus sur streaming, mais j'ai perdu combien? Ça se revend combien cette main? J'ai dû perdre 300 gold en vrai. Open. Je voulais vendre mon Dark Seal pour que mes bots proc. J'ai revendu le codex et comme il y a un truc qui proc dans ton stuff, tu peux pas undo. Je viens donc de
de perdre 300 gold. Stylé. J'ai donné 3€ à Aldé. Merci à toi pour les 2€. Et il a pas dit merci. Écoute, merci à toi pour les 2€. Et bah je te dis merci à la place d'Aldé. N'hésite pas à donner ici. On est beaucoup plus reconnaissant sur ce stream. Après je pense juste qu'il était en train de... de faire son truc et qu'il a pas vu quoi. Il a wall le R. Stylé. Ah Lydia quand c'est devant c'est grave. J'ai vu bien que ça Lydia en vrai. On est là, on lane contre Morgana. Faut quand même faire gaffe au jeu dedans, non? Après, c'est MacTF qui récupère les kills. C'est pareil, non? On va lui commander une petite boîte de nuggets en teamfight et il jouera pas. Ah, du coup, je vais même pas avoir les gold, ils se foutent de ma gueule. Bah, vous savez quoi? J'étais pas très très confiant sur la game. Mais le fait que ce Yasuo ait 50 CS à 13 minutes et perde des LP après ce qu'il a fait la game d'avant, il y a une justice. Nous allons le report à la fin de la game, bien entendu. Je suppose que, au vu de son comportement la game d'avant, il a pas été beaucoup plus aimable cette game-là. Fallait tenter hein. Ton game est win. C'est plus ou moins open, je pense que. Je pensais qu'il était FK Yasuo. Mais non, il est bot. Thank you for your contribution. Sidestep. What else can I discover? Faire horizon.
me remettre en question avec mon main champ. Ouais, bah. Après, le nombre de games que j'ai fait sur Vel'Koz, je suis à peu près conscient de quand est-ce que je joue bien ou mal, tu vois. Et je sais ce que j'aurais pu faire de mieux à l'instant T. En vrai, ça m'arrive rarement de perdre des games parce que je run dans le mid, tu vois. Même si, de toute façon, tu peux toujours faire mieux toutes les games, tu vois. Il y a toujours des petits timings où tu peux optimiser plus ou moins, mais... Mais bon. Hop.